j'étais au pays, sur une chaise on m'attachait. Pendant que la famille y sortait, ils m'ont attaché. J'ai fait trop de conneries, mais on ne traite pas comme ça. Un petit, je suis arrivé ici, sur le terre-terre. Aujourd'hui c'est halal, j'ai perdu ma mère. Je suis pas né en France, mais né à Mada. Pourquoi je suis venu ici, et pas rester là-bas? Maman, dis-moi pourquoi t'as voulu partir. Mais dis-moi pourquoi t'as voulu en finir. Je sais que je suis pas toujours là pour toi. Quand tu étais pas bien, je n'avais pas le choix. À 4 ans, tu m'as fait venir en France. Mais malheureusement, je n'ai pas eu de chance. Papa était violent avec moi et ma mère. Il était comme ça, car il était militaire. Il voulait pas que je joue avec les jouets des enfants. À chaque fois que je joue, il frappait tout le temps. Pour tout donner, il m'a tout acheté. Mais tout ça, c'est normal, il était obligé. Mais je me rappelle, quand j'étais petit, quand je dormais, il me crachait dans la bouche. J'aurais été plus grand, je l'aurais frappé, je l'aurais saigné, j'aurais vu rouge. Mais heureusement, il est mort avant, et c'est venu pour moi un grand soulagement. Je voulais pas être aussi méchant, mais il a juste ce qu'il mérite maintenant. Il est pas parti à cause d'une maladie, mais pour moi, c'est Dieu qui l'a puni. Et pour ma part, je sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas si je l'ai mérité d'avoir autant de rancœur et tant de haine. De vivre comme un chien, ce n'était pas la peine. Et maintenant, il est dessous. Mais je le jure, voilà, je m'en fous. Et là, j'espère qu'il crève en silence. Pour le mal qu'il a fait, je m'en balance. Si tu m'écoutes, mon Dieu, t'es grand, écris. Je me prosterne à tes pieds et remercie.